Bien bonsoir, bonsoir à tous. Podcast. On a. Win. On a Wayne 121 qui est en train de 2 à 1 contre les autres. Donc Yoshi Zelda, je connais pas trop Zelda pour. Mais par contre je connais un petit peu. On a parlé un peu avant. Donc on attend les bannes, on a parlé. On retourne. Bien sûr. On retourne sur Battlefield. Non, on va sur Battlefield du coup. Donc j'ai pas pu voir les deux games que Wayne a gagné. Des progrès là, ça, c'est un premier, un de ses premiers tweets, je crois. Actuellement, il gagne beaucoup, beaucoup d'amateurs, Wayne. Il est en train de faire des progrès, ça se voit là, loser quarter, même si avec beaucoup de joueurs. Mais on espère que peut-être que Yox va réussir à nous amener en game 5. Et là, pour l'instant, on a l'air que. Ouh là là, le Fair Train, c'est pas, pas Pac-Man, c'est. Zelda offstage. Et donc pour l'instant, du coup, sans Wayne 121 à 117, on a Yox qui a bien l'avantage et un hein, de douiller encore, mais non, on mâche, on part, on ne se fait pas douiller par le zone B de Yoshi. Mais on a une Zelda assez. Avec un extra qui peut très très bien si on arrive à bien timer les choses. Mais là il faut le Knight qui absorbe le coup et qui permet à Zelda de mettre un smash, le side B qui va toucher, le Knight en arrière pour couper. On a un neutral assez hop, un peu comme ça un peu mâché qui va se faire finir par un PR et prendre la première stock pour donc en fait donc beaucoup d'ombre. Il y a un Yoshi là avec l'avantage. Là, c'est joué pour camper, il va pas s'approcher. Ça n'a pas touché, clairement, mais. Yoshi qui peut, il va devoir camper Zelda. Mais là, on a une ladder qui va interrompre par un Lightning et qui va l'exploser. Là, on retourne à Evenstock, mais pas Even%. Bon, c'est quoi 52% quand on a des combos qui peuvent faire 60%. On parle bien de toi, Knight à 100%. C'est grave, être pro ou je sais pas quoi. Mais. Où on a tenté le jab reset mais c'était un peu plus tard, le double qui va être pris et qui va remonter 2 à 1 en stock. Le double va tanker ce pair. Le lightning, les pit spots, on a les gros coups là, on n'a pas de combo mais on donne des bonnes patates là, 60%. On commence à fracter les deux et non, on a le B qui va passer la pause. Là on a le trap, on tente. Avec un petit jablock, tête et un smash, c'est bon, mais 70%. Et voilà le double saut faire qu'on a vu arriver depuis 3 ans. C'est un 2-2 game 5 pour Yox. Oui, Yox y remonte. Il va nous remonter encore cette game. On le verra tout de suite après les balles. Incroyable. On rush Zelda Yoshi. Ils doivent tous les deux reprendre une seule game. On verra qui aura avantage. Donc, on passe sur Kalos. Très bonne map pour Yoshi, apparemment. Et on est. Comment ça voulu. Personne ne touche la GD. On double saut, l'armor qui va faire tonnerre. Faire le petit upper, les combos, les bread and butter là, ça met 80%. On a une avance incroyable, c'est top. Mais attention, là Zelda qui met un mur, clairement un mur contre Yox, et pas approché. Là, c'est par contre, Zelda qui approche, donc pour tester le lightning, mais ça ne passe pas. On est en lèche rapide, air qui va, mais bon, on a. Un match qui va rien faire, essaye de. Avec un
faire. Pour l'instant, c'est plutôt even. On n'arrive pas à trouver de kill move chez les deux personnes. On a juste peur qu'il y a un petit avantage, mais qu'est-ce que c'est Yoshi ça? Avoir du mal à tuer, ça peut. Les ratures, voilà, c'est bon. Dès que Zelda, elle, elle a ses gros coups, ses gros knights là. Projectiles qui peuvent plus off stage, qui peuvent envoyer très loin. Le père qui peut faire très mal sur Elos. On a une map très grande du coup, mais. Faut juste faire attention. Le nerf qui va être évité. Hop. Tout bien déjà, je sais pas. H. Et le lightning qui va venir comme ça, oh, on prend premier stock, avantage pour Wayne. Nagok qui vient, qui va prendre le premier. On revient à Even. Even pour ça. Donc, on a des dash attack, on a des blow up. Sommet là, on a des recraves là. Voilà là. Qui extend son avantage là, 86% en une phase d'avantage, c'est très beau ça. Le B qui va être mal, et on va venir faire ça. On est toujours sur le 0 de death là, à se faire toucher. Nine. Grave, et qui envoie au fond. Voilà. Et c'est la fin du 0 de death. Dommage. On reprend, on a quand même un avance de 110% chez Yox. Voilà, on peut amener beaucoup de pourcents. Le Lightning King, non. On aurait pu aller peut-être donner, je ne sais pas, mais. Ah, on tente la confirme. Kalos, sans Kalos, ça aurait tué. Donc. Et on n'a pas du tout. On ne pas. C'est très dommage. Pas qu'à prendre. Un donner qui. 60. Deux donners. Et ça met 65%. Waouh, c'est le damage output qu'il peut donner. Et là, on va tenter le ladder, je pense. Turning up air, into up air, into up air. Bah, un grab. Un. Lightning qui n'a pas assez de stock, malheureusement. Et là, il y a une stock entière d'avance. Très très beau ça. Je suis bien l'eau. On attend davantage. Est-ce que Yox va réussir à ce 3-0? Je pense que c'est le cas. Là on est à du moment. Et ça va être un truc de faire qu'il n'est pas passé, qu'il n'a pas spike. Et... on aurait pu confirmer sur ça je pense. Là on attend, je suis très patient. Là. Ouh, joli DI qui va permettre à Zelda de survivre. Air Dodge pour éviter le smash. Le Knight qui va... ça va pas toucher malheureusement pour faire des spots à attendre. Là il a juste la mer. Up, into, up, B, pair, et ça va prendre la stock. River 3-0. Docks.